Avec 10 des plus beaux villages de France et un passé médiéval romanesque, l'Aveyron est un département incontournable de la région Occitanie. Il offre des paysages variés et une identité culturelle bien marquée. Voici notre sélection d'incontournables du secteur, dont une partie reste encore à l'écart des routes touristiques. Pensez à vous abonner et découvrez à la fin du reportage notre coup de cœur de l'Aveyron. Villefranche de Rouergue est l'une de ces villes nouvelles du Moyen-Âge que l'on appelait des Bastides. Elle est constituée de rues et de ruelles perpendiculaires, à la fois denses et étroites. Au centre, on trouve la place Notre-Dame avec la superbe collégiale du même nom. Nous profitons du marché pour apprécier les produits aveyronnais qui débordent des étals. Ensuite, nous arpentons la ville qui regorge d'hôtels particuliers et de commerces. Ce qui nous a le plus séduit, c'est cette chapelle, la chapelle des pénitents noirs, dont l'intérieur et en particulier le plafond sont vraiment extraordinaires. L'extérieur n'a rien d'exceptionnel, mais dès que l'on pénètre dans le sanctuaire, waouh ! Des murs au plafond, chaque millimètre est sculpté ou peint, avec une grande finesse et une multitude de détails. Nous marchons sur Najac, l'une de ces cités perchées de l'Aveyron. Les derniers kilomètres sont plutôt en pente raide et il vaut mieux s'armer de courage. Mais la récompense est là, devant nous. Partons voir quelle belle surprise nous réserve ce village plusieurs fois centenaire. Nous commençons la visite de Najac par le point le plus haut avec la forteresse royale. On y arrive! Ces immenses murs et ces meurtrières indiquent bien le passé défensif de ces fortifications. C'est de cette hauteur que l'on se rend le mieux compte de l'étonnante forme que prend le village, construit sur l'arête de la colline. La balade le long de ces vieilles demeures nous imprègne du charme de cette cité médiévale. Nous n'avions jamais entendu parler du village de Bozoul. Surnommé le Trou de Bozoul, c'est en réalité plutôt un canyon creusé par le Dourdou. Le village surplombe le vide comme suspendu aux caprices de la gravité. Au cœur de la cité, l'esplanade offre une vue fabuleuse sur le canyon. Plus bas, c'est le poumon vert de Bozoul, un environnement préservé bordé par la rivière. L'aspect bucolique et le calme du lieu donnent un sentiment de quiétude. Bozoul est un site qui ne ressemble à aucun autre. Au-delà de son aspect étonnant, il est classé espace naturel sensible. La cité médiévale de Congues bénéficie d'un patrimoine exceptionnellement préservé. Franchir les portes de la ville, c'est réaliser un immense saut dans le temps.
Édifiée au XIIe siècle, l'abbatiale Saint-Foy est un chef-d'œuvre de l'architecture romane. Sur la façade principale, le tympan symbolise le jugement dernier avec beaucoup de détails. Des façades des édifices religieux aux maisons à colombages, tout ici constitue un décor historique remarquable. Conques est sans aucun doute une des plus belles stations du chemin de Compostelle, patrimoine mondial de l'UNESCO, grand site de France, plus beau village de France, c'est un incontournable de l'Aveyron. La petite ville d'Espalion s'est développée sur les rives du Lot. Dans le centre, le long des berges, les vieilles tanneries sont très pittoresques. Elles ont conservé leur rebord en pierre qui servait au lavage des peaux. Le Pont Vieux est répertorié patrimoine mondial de l'UNESCO. La cité dispose de plusieurs beaux édifices comme l'église ou encore ce bâtiment étonnant qui abrite le musée du scaphandre. La balade se poursuit le long des berges, d'où l'on peut admirer les vieux palais ou encore quelques symboles de la ville et de l'Aveyron. Toujours sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, on trouve Estaing à quelques kilomètres seulement d'Espalion. Dès l'arrivée, nous sommes éblouis par ce pont gothique du XVe dont la croix veille sur les pèlerins. Le château, emblème de la ville, nous plonge dans une atmosphère de conte de fées. En face, l'église et son grand escalier, avec à l'intérieur des vitraux originaux. Les rues et les maisons de la ville ne laissent aucun doute sur leurs origines médiévales. Comme Espalion, Estaing mérite bien une escale. Nous entrons dans le village de Belcastel en enjambant le pont du XVe siècle. Là, nous découvrons notre coup de cœur du département, une bourgade superbement restaurée où chaque détail médiéval est respecté. Nous progressons jusqu'au château fondé aux alentours de l'an 1040. Sa visite nous permet de découvrir un lieu restauré de manière originale par l'architecte Fernand Pouillon. Nous découvrons une exposition d'œuvres contemporaines, mais surtout l'histoire de ce lieu à travers le pont-levis, la chapelle basse, les latrines et les différentes pièces du château comme la salle des gardes ou la salle à manger. Dans la prison, Demi s'amuse avec les restes d'un prisonnier. En haut du donjon, on profite d'une superbe vue plongeante sur le village. Incontestablement, le département de l'Aveyron nous a conquis. C'est un subtil équilibre entre patrimoine et nature préservée, une région rurale et agricole fière de ses traditions.